Bien, bonjour, Déby. Tu nous reçois au théâtre d'aujourd'hui après une répétition pour la pièce que tu vas présenter au printemps. Oui. Et c'est ici qu'on va pouvoir jaser de ta carrière. Carrière qui a commencé après, même avant 2010. Tu as fait quelques petites affaires comme ça. Oui. Mais en 2010, tu as fait l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Oui, j'ai terminé en 2010. Et après ça, tu as plongé sur tes projets, tu as fait ta compagnie de théâtre et tout, et tu n'as pas attendu que le téléphone sonne. C'est important pour toi de créer tes propres projets. Ben oui, vraiment, puis je pense que c'est important dans le sens que un acteur, il faut que ça joue, tu sais. Il faut se garder en vie, il faut faire des projets, tu sais, même si on est payé 4 cents de l'heure, ben c'est de la visibilité, puis tu joues, puis tu fais ce que t'aimes, tu sais. Puis, ben, de fil en aiguille, ben, les gens entendent parler de toi, puis tout ça, puis, tu sais, je pense que ça peut débouler sur d'autres projets. Mais non, c'est ça, on m'a jamais enseigné, en fait, à attendre le téléphone, puis je pense que je viendrais folle à attendre le téléphone. Voilà. Et là, Unité 9. C'est Unité 9, comment hein, quand même. Comment passer à côté? Eh oui. Comment c'est arrivé dans ta vie, ce rôle-là? Eh hey, bien, écoute, une audition. C'était une audition. En fait, à la base, ils voulaient une actrice noire pour faire le rôle, mais de mon âge, de mon gabarit. Puis, quand mon agente a vu le breakdown, là, la description du personnage qu'ils envoient aux agents et tout ça, elle a vu ça, mais elle a fait « Oh, oh, ça c'est débile, là. C'est pour elle. » Et elle a appelé Lucie Robitaille, qui castait, la directrice de casting, et elle lui a dit « Faut que tu vois Déby en audition. » Et là, Lucie a fait « OK, mon bon, tu sais, je pense qu'elle a trouvé ça intéressant comme idée, tout ça. » Puis elle m'avait vu jouer au théâtre, tu sais, dans des shows, justement, à 4 cents de l'heure. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais, elle m'avait vu, elle m'avait beaucoup aimé, tout ça. Et à l'audition, j'étais arrivée avec une chemise grise que j'avais empruntée à mon coloc. Des bottes d'hiver, mais tu sais, comme des bottillons, là, massifs. Puis je m'étais liché les cheveux avec une toque. Comme le personnage. Oui, parce que c'est resté, ça. C'est resté. Je pense que ça leur a plu comme proposition. Tu sais, des fois, tu peux lire un rôle puis faire « Ah, oh, OK. OK, je vois qu'est-ce qu'ils veulent. OK, ça se pourrait. » Puis tout ça, tu sais, ou tu n'es peut-être pas 100% convaincu. Ou... Mais ça, quand je l'ai lu, c'était d'une évidence. J'ai fait « OK. » Ça, let's go, là. Et est-ce que c'est intimidant d'arriver là-bas pour tourner avec des Guylaine Tremblay, Céline Bonnier, Suzanne Clément, Micheline Langteau, plein de noms comme ça, là, qui sont des grandes actrices au Québec? Comment on se sent intérieurement? Bien, c'est sûr qu'en dedans, là, tu sais, la première journée, tu sais, comme, bonjour, bonjour. Tu sais, il y a un thrill fou d'être là, tu sais. Mais quelqu'un m'avait dit à un moment donné, tu pourras jamais faire ce métier-là si t'es groupie. Puis, ça m'est resté, ça. J'ai été choisie. J'ai ma place dans ce projet-là. Chacun a sa place. On doit tous la prendre, tu sais. Moi, je peux pas être là à regarder, aller regarder travailler, puis « Oh my God! » Tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai une job à faire, là. Fait qu'un coup qu'on plonge dans le travail, on est tous égaux, tu sais. Dans ma tête, ça switch, tu sais. Mais au début, c'est sûr, là, que je voyais... Guylaine passer, François Papineau, Céline, tu sais, qui est une actrice que j'admire beaucoup, puis je la voyais passer, puis je disais, OK. Puis là, tu sais, tu regardes un peu travailler, puis tout ça. Mais faut jamais, tu sais, faut pas que tu perdes de vue que toi aussi, t'es là, puis que t'as ta place, puis que t'as ta job à faire, tu sais. Une fois que je vous croise dans le corridor, vous êtes mieux de connaître votre numéro de cède par cœur. Le costume aide beaucoup. Tu sais, la rigidité du pantalon, la grosse botte, la toque serrée, tout ça te met aussi dans un état physique, tu sais, qui contribue au personnage. Fait que j'ai comme ramassé dans tout ça, puis j'ai beaucoup... travailler ce personnage-là avec le sous-texte, en fait. Okay. Parce qu'au début, tu sais, elle parlait pas beaucoup. Non. C'est une femme de peu de mots, mais qui en impose et qui en dégage. Fait qu'à chaque fois que je faisais un move de porte ou à chaque fois que je devais regarder quelqu'un ou j'attendais quelqu'un, ben il y a toujours une intention derrière ça. Il y a toujours un sous-texte, tu sais. Genre, tu sais, c'est con, mais des fois, dans ma tête, je disais, ah, c'est une conne.
C'est ça, tu n'as pas le choix de te mettre vraiment dedans. Pour là. Le langage. Et avant ton arrivée dans la série, il y avait Mary Lou Wolfe qui était détestée par tout le monde parce que là, ça brisait l'image de la gentille fille qu'on voyait. Et tout le monde la détestait, mais quand toi, t'es arrivée, ça a été une onde de choc totale. Je vous présente notre nouvelle IPL. Madame Prévost remplace Agathe. Bonjour. Bonjour. Et est-ce que toi, tu t'étais préparé à ce qu'il y ait autant de réactions? Pas pantoute. Pas pantoute. Puis un moment donné, c'est le réalisateur, il est passé à côté de moi sur le plateau, puis on s'est mis à parler un peu, puis il m'a regardé, je me rappellerai toujours, il m'a dit, puis es-tu prête pour l'onde de choc? L'onde de choc, je comprenais pas, tu sais. Il dit, ça va fesser, tu sais. Puis je fais, OK. Je me rappelle le mardi quand ça a été diffusé. Moi, j'avais rien vu d'avance. Je suis dans le salon avec des amis et on écoute ça. Et tu sais, là, j'ai comme compris ce que le réalisateur voulait me dire. Tu sais, quand j'ai vu ce que ça donnait, parce que tu sais, ce que tu dégages à l'écran, ce que tu dégages dans la vie, ouais. Ça peut être complètement différent. Ce personnage-là, c'est super loin de moi. Et je me rappelle, j'étais assise et j'étais là. Mais je suis donc bien épouvantable. Mais je suis donc bien méchante. Je veux pas t'entendre pleurnicher. Ça me tanne, mes enfants qui pleurnichent dans les transports. Puis, tu sais, c'est là que j'ai pris conscience aussi de tous les axes de caméra, tu sais. Ouais. Souvent, ils me prennent en contre-plongée, fait que j'ai l'air super gigantesque. J'étais là, avec la musique qui est rajoutée. Tu sais, tout ça, c'est des composantes qui contribuent aussi tellement à notre travail, tu sais. Les gens ont été très durs sur Twitter, sur Facebook. Ouais. Comment on fait pour gérer aussi avec ça? Parce que ton personnage n'était pas aimé, si on veut, là. Oui. Bien, honnêtement, au début, là, j'avais comme pas de repère, tu sais. Puis Guylaine a été super, tu sais. Guylaine, elle m'a full aidée, là. Genre, je l'ai comme appelée, puis j'ai fait « Hey, là! » Puis elle dit, viens déjeuner chez nous. Puis là, on a jasé. Ça, c'est Guylaine. Mais oui, tu sais, elle même dans la vie, là, ouais. On l'aime. La première journée, le lendemain, le mercredi, là, j'ai comme retardé mon départ de chez nous. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu comme arriver dans l'autobus puis me faire donner une claque? Parce que les gens sont durs sur Internet, mais en réalité, dans la vraie vie... Ils me le diraient jamais en pleine face, là. Et c'est ça le problème de Facebook et de Twitter, tout le monde. Tu sais, comme... Faut arrêter d'être uniquement courageux en arrière de nos écrans d'ordi, tu sais. Et l'intimidation passe par là et tout ça, tu sais. Je veux dire, tu sais, puis j'en ai entendu et j'en entends de toutes sortes, là, autant sur le personnage que sur mon apparence physique, mon poids, blablabla, mes joues rouges, tu sais. Je veux dire, tout le monde a son opinion sur tout, tu sais. Après ça, tu décides si t'as dit ou si t'as dit pas, puis si ça va blesser ou si ça va pas blesser, tu sais. Mais... Les gens ne diraient jamais ça en pleine face, tu sais. Il n'y a jamais personne qui m'a insulté, puis tant mieux, là, tu sais. Puis en même temps, ça me passe six pieds par-dessus la tête, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, mettons, tu sais, mon acceptation de moi, là, tu sais, je l'ai faite, je pense, j'avais 6 ans, là. C'est ça. Fait que moi, les commentaires de la grosse ci, la grosse ça, ça me fait plus rien, sauf que... Bien, il y a eu tout un chemin que j'ai fait dans ma vie aussi pour ça, tu sais. Et là, moi, souvent, bon, je souris tout le temps, j'ai toujours du plaisir dans la vie, on me prend pas toujours au sérieux. Là, moi, je veux un cours, je veux savoir comment on fait pour avoir l'air que t'as, puis être aussi sérieux pour qu'on me prenne au sérieux. Je dirais juste, Nancy est très dans la mâchoire, puis dans les sourcils. Tu sais, moi, c'est beaucoup là que, tu sais, quand elle ravale, puis quand il y a quelque chose qui la stresse, c'est juste d'avaler. Là, on sait qu'elle me regarde puis qu'elle dit « Ah, c'est petit con! » Elle a dit tout à l'heure, mais je suis pas mis ma femme aussi. Mais ouais, c'est ça. Puis dans le regard, toujours très, très direct. Il n'y a pas d'hésitation, à moins que ça soit écrit, mais quelque chose de très franc, puis de physiquement très stable, très en contrôle. Tu sais, j'ai toujours les mains ici. Puis... Voilà. Lequel des deux peut tenir ça le plus longtemps, là? Oh, mon Dieu! Attends, je suis pas bonne, là. OK. Ça commence bien! Attends un peu.
pas capable. Je pense qu'on l'aura mais pas c'est dit. Parce qu'il y a bien une mais non, ça, on est beaucoup trop relax. Ah, mais c'est un personnage très dur, justement. Est-ce que des fois, on décroche? Comment on fait pour rester aussi pendant des heures comme ça? Là? Est-ce qu'il y a des décrochages des fois aussi? Ah oui, il y en a. C'est comme à un moment donné, en fait, un des moments les plus drôles, mais ça n'a pas été pris sur caméra parce qu'il tournait d'autres angles. Mais on est au grand vent dans la cour, OK? C'est Marie qui est allongée avec le poignard. Ouais. L'aumônier qui arrive, tu sais, je veux dire, c'est une scène c'est très dramatique, tout ça, c'est très sérieux, on est là, l'ambulance s'en vient, tout ça, et il vente, là, mais il vente, c'est épouvantable, tu sais, puis pour que moi, j'oscille au vent, là, c'est qu'il vente fort, ouais. Tu sais. Et là, je suis de même, et je suis face au vent, là, direct, et je suis juste comme ça, bien sérieuse, et ma casquette s'envole, d'un coup. Et pour revenir ici, on est au théâtre d'aujourd'hui. Tu oui. pratiques pour ta prochaine pièce oui. que tu fais avec Ève Landry et plusieurs oui. autres aussi. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là? Écoute, ça s'appelle J'accuse, mise en scène de Sylvain Bélanger, texte de Annick Lefebvre. On est 5 actrices et ce sont 5 monologues sur le quotidien, sur toutes les névroses qu'on peut avoir ou les blessures qu'on peut avoir puis qu'on refoule puis qu'à un moment donné ben ça sort, tu sais, le besoin d'amour de chacune, c'est formidable puis Annick écrit tellement bien, tu sais, elle écrit mais c'est corrosif là, tu sais, tu ris jaune, c'est très coup de poing sur la gueule, c'est très direct, il y a pas de dentelle mais à la fois des très poétique. Donc, non, ça va, je pense que ça va être vraiment le fun. Là. On commence les répétitions. Fait qu'il y a moi, Ève Landry, Léane Labrèche d'Or, qui est dans SNL, ouais. Catherine Trudeau, formidable, et Alice Pasquale, formidable actrice aussi. C'est une très belle distribution, et oui. ça va être à l'affiche, ça, au printemps prochain. Oui, en avril, au théâtre d'aujourd'hui, ça s'appelle J'accuse. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis on souhaite beaucoup de succès avec tes projets qui s'en viennent, Unité 9 et tout. Plein de projets pour toi. Merci. Oh, merci.